Ouais. Elle a son pouvoir? Oui. Alors. Bonsoir. Bonsoir, je vais vous demander de retrouver votre place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonsoir à tous, ainsi que ceux qui nous regardent sur Facebook ou YouTube. Nous allons entamer notre troisième séance de conseil municipal. Pour cette séance, la secrétaire de séance va être Marie-Paul Bourdet. Nous avons des personnes excusées, M. Pelouot, M. Folliard-Loïc, Mme Proust-Ménali, M. Fournier-Daniel et Mme Thérèse Marsay. Ils ont donné pouvoir. M. Pelouot-Dominique a donné pouvoir à M. Lardeux-Dominique, M. Folliard-Loïc a donné pouvoir à M. Bélier Denis, Madame Proust-Mélanie a donné pouvoir à Madame Bourdet-Marie-Paul, Monsieur Fournier-Daniel a donné pouvoir à Monsieur Michineau-Christian, Madame Marsay a donné pouvoir à Monsieur Bouvet-Jean-Olivier, comme si je ne le connaissais pas. Donc il nous faut, vous avez eu les deux derniers procès-verbaux des deux séances précédentes, celle du 28 mai et du 11 juin. Il nous faut les approuver. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui s'abstiennent,
Je vous remercie et donc les deux procès-verbaux des précédentes séances sont adoptés. Il faut peut-être qu'on attende un petit peu avant. Voilà, ça y est, c'est bon. Vous allez pouvoir... Donc je crois que c'est un OK. C'est OK. Donc c'est OK pour mettre votre zapette en route. Le premier point de ce soir concerne la commune déléguée de Saint-James-d'Andigné. C'est la clôture du mandat d'étude qui avait été confié à Alter relatif à l'aménagement du quartier La Touche. Donc, par convention de mandat, le 24 octobre 2012, la commune déléguée de Saint-James-d'Andigné a confié à la SPLA de l'Anjou, qui est devenue Alter Public depuis, la mission de définition des conditions de faisabilité technique, administrative et financière de la réalisation d'une opération d'aménagement du quartier La Touche. À l'issue des différentes études de faisabilité et au regard du compte-rendu d'activité, annuel d'activité du concessionnaire qui leur a été présenté, il n'apparaît pas opportun de poursuivre ce mandat. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est la clôture de ce mandat d'étude en procédant au versement du solde de l'étude, c'est-à-dire le montant de 8 328 euros hors taxes. Y a-t-il des questions ? Donc nous allons passer au vote. Ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Merci. Le deuxième point, c'est la constitution de la commission communale des impôts directs. Donc, il nous convient de soumettre au directeur des services fiscaux une liste de contribuables de la commune répondant aux conditions posées par l'article 1651 susvisé. Donc, en fait, cette liste comporte 32 noms, 16 membres titulaires et 16 membres suppléants. Et en fait, ils retiendront à leur gré 8 personnes titulaires et 8 suppléants. Est-ce que vous voulez que je vous donne lecture ? Vous avez les noms, sinon je peux vous les lire. Hein. En délégué titulaire, Marie-Agnès James, Hubert Boultereau, Jean-Claude Granier, Philippe Hurel, André Georget, Joël Rongère, Dominique Pelot, Serge Séjourné, Joël Roncin, Daniel Brossier, Gabriel Aurillard, Thérèse Marsay, Christian Genouel, Marie-Paul Bourdet, Colette Lefort, Catherine Ballet. Pour les suppléants, Jean Gatineau, Michel Gillier, Aurélie Boivin, Daniel Helin, Jean-Philippe Menant, Jocelyne Rouget, Noémie Delasselle, Irène Thierry, Sandrine Molière, Christian Buret, Denis Bellier, Jean-Olivier Bouvet, André Bellier, Sébastien Rouleau, Gilles Brechteau et Annick Duval. Nous allons procéder au vote. Pour ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Merci. Donc le troisième point concerne la convention de location concernant la gestion de la maison d'accueil spécialisée qu'on appelle la MAS, l'avenant numéro 5. Donc vu le bail emphytéotique du 18 juin 1997 qui a été modifié par avenant le 2 avril 2012, louant à Maine-et-Loire Habitat, qui à l'époque s'appelait Office public départemental d'HLM de Maine-et-Loire, un terrain situé à la Miochette d'une superficie de 21 849 m² pour l'implantation de la maison d'accueil spécialisée.
considérant l'avenant numéro 5 présenté par Maine-et-Loire Habitat, Office public de l'habitat, prenant acte du changement de dénomination de l'établissement public départemental Espace, qui est le gestionnaire. Donc, je vous demande d'approuver cet avenant qui prend en considération la nouvelle dénomination de l'établissement public social et médico-social autonome Espace, qui devient l'établissement public médico-social de l'Anjou, et ceci depuis le 1er janvier 2020. Donc, ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Bernadette. Je vous remercie. Pour le quatrième point, je vais appeler Karine Chauveau, l'adjointe aux finances. Donc, ça concerne une délibération de principe qui autorise l'engagement de dépenses à imputer sur l'article 62-32 qui concerne fêtes et cérémonies. Karine. Bonsoir. Donc, à chaque renouvellement de conseil municipal, nous sommes obligés de délibérer sur le compte 62-32, fêtes et cérémonies. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'approuver le principe de mandater ce compte avec les dépenses suivantes. Je les dis tous. Frais liés aux cérémonies de mariage et autres cérémonies d'état civil, frais liés au décès d'élus ou de personnel en activité ou en retraite, frais liés à l'organisation des cérémonies commémoratives, frais liés aux festivités du 14 juillet, frais liés aux fêtes de fin d'année, frais liés à l'organisation des manifestations diverses sur la commune, les frais liés à l'organisation d'activités par les services municipaux, les frais liés aux fêtes et cérémonies pour la carrière des agents, frais liés aux manifestations organisées à l'occasion de la venue de personnalités, frais liés à l'organisation de vins d'honneur ou de repas, frais liés à l'organisation du repas des aînés, repas pris chez les restaurateurs, cadeaux divers pour les stagiaires pour des manifestations ponctuelles, les frais liés au concours des maisons fleuries ou autres concours organisés par la commune, et les frais liés au jumelage. Donc, ces dépenses seront mandatées à l'article 62-32 fêtes cérémonies dans la limite des crédits inscrits chaque année au budget. Merci Karine. Avez-vous des questions ? Donc on va pouvoir procéder au vote. Donc ceux qui sont d'accord, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Merci. Donc, le point suivant, toujours Karine, ça concerne la commune déléguée de Segré, quartier Le Court-Pivert, une garantie à hauteur de 80% d'un emprunt contracté par Altercité. Donc, pour poursuivre le financement de l'opération du quartier de la Court-Pivert, situé sur la commune déléguée de Segré, Altercité a décidé de contracter auprès du Crédit Mutuel de l'Anjou un prêt de 300 000 euros pour laquelle requiert la garantie de la commune de Segré en Anjou Bleu à hauteur de 80%. Ce qu'on vous demande, c'est justement d'approuver cet accord de garantie. Voilà. Donc, avez-vous des questions ? Si vous n'avez pas de questions, nous allons passer au vote. Ceux qui sont d'accord, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Madame Dussault. Merci.
Donc le point suivant est aussi une garantie d'emprunt accordée à Altercité pour la souscription d'un emprunt de 300 000, mais qui concerne la commune déléguée de La Chapelle-sur-Oudon. Karine. Donc effectivement, c'est la même chose que tout à l'heure concernant donc le quartier de l'Écobu à La Chapelle-sur-Oudon pour la même somme de 300 000 euros. Cette fois-ci, c'est un crédit qui est fait au Crédit Agricole dans les mêmes modalités. Donc voilà, je vous demande de l'approuver. Avez-vous des questions ? Donc nous allons procéder au vote. Ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Merci. Je vais appeler Joseph à venir me rejoindre. Le point numéro 7, ça concerne la commune déléguée de l'hôtellerie de Flé pour des travaux d'aménagement du centre-bourg et une convention à passer avec le syndicat d'eau de l'Anjou relative à la défense incendie. Bonsoir à tous. Oui, donc là, en fait, il s'agit de passer une convention avec le syndicat d'eau, parce qu'en fait, il y a eu besoin de mettre un poteau d'incendie quand ils ont fait l'hôtellerie, on refait toutes les canalisations d'eau potable, et il y avait besoin de renforcer une canalisation pour mettre un poteau d'incendie auprès de l'école où les canalisations existantes étaient insuffisantes. Donc je vais vous demander de bien vouloir accepter de payer 2550 euros pour mettre ce poteau d'incendie qui vient en plus des travaux de rénovation du réseau d'eau potable. Avez-vous des questions ? Non ? Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Merci. Le point numéro 8, toujours Joseph, pour la commune déléguée de Noyant-la-Gravelière, les travaux d'aménagement de la rue Bachelot, convention avec le département relative à l'autorisation de travaux d'entretien et financière. Donc la rue Bachelot, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à Noyant, y compris la rue Bachelot, et le département participe, puisque c'est des voies départementales, participe à la rénovation des voiries, enfin au moins au tapis goudronné, et c'est ce que je vous demande d'accepter, puisque le département participe pour la surface du projet, qui est 2500 m2, et participe à l'enrobé final de la route. Merci. Avez-vous des questions ? Nous allons procéder au vote. Ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Merci. Le point numéro 9 concerne la commune déléguée de Saint-Martin-du-Bois. C'est la création d'un chemin piéton, route d'Aviret. Donc je te laisse expliquer. Là, on a une image. Donc, il y a une zone d'habitation qui est sur la gauche de l'image, c'est la gauche de l'image, qui n'était pas desservie par un trottoir, puisque les gens étaient obligés de passer sur la route départementale qui arrive dans Saint-Martin-du-Bois. Donc il a été décidé de combler un fossé qui appartient au département. On a comblé le fossé et en même temps on fait un trottoir en enrobé et une partie en arène granitique, l'ensemble faisant 2,50 m de large pour arriver après au niveau du bourg, on arrive sur le trottoir existant qui est dans le bourg. Si Nicolas, c'est bien ça qui se passe dans ta commune. Voilà. Donc je vous demande d'accepter, parce que le département du coup nous permet de faire les travaux et en compensation, nous on prend, la commune prendra en charge maintenant définitivement ce trottoir qui nous appartiendra de l'entretenir et de le
de l'entretenir, en fait, ce trottoir. Merci. Avez-vous des questions ? Non ? Nous allons procéder au vote. Ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Ah ben, j'étais en train de me regarder. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci. Et vous savez que vous avez un escalier juste derrière. Donc, je vais appeler Dominique Lardeux pour le point suivant. Donc, cela concerne la commune déléguée de Noyant-la-Gravaillère, l'exploitation d'un terril ardoisier par la SASRV, avis au titre des installations classées. Bonjour à tous. Donc, les services de la préfecture ont transmis à la commune un dossier émanant de la SASRV concernant une demande visant au renouvellement et à l'extension d'un périmètre d'exploitation d'un terril de déchets ardoisiers sur la commune de Noyant-la-Gravolière. Donc, la préfecture souhaite recueillir l'avis de la commune sur ce projet, et ce, notamment au regard des incidences environnementales de celui-ci sur le territoire de Segré-en-Anjou-Bleu. Donc, la société RV est autorisée à exploiter le terril ardoisier au lieu dit mise en grain sur la commune de Noyant-la-Gravolière par arrêté préfectoral du 7 mars 2003 pour une durée de 15 ans et sur un périmètre d'une superficie de 65 586 m². Les extractions étaient autorisées jusqu'en septembre 2016. Les deux années restantes étaient consacrées à la remise en état du site. Cette autorisation a été prolongée de 2 années par arrêté du 20 octobre 2017, mais elle arrive à échéance en septembre prochain. Donc pour information, la société, il y a 750 000 tonnes de déchets ardoisiers sur le site. Donc on avait la société RV avait 15 ans pour les exploiter à raison de maximum 50 000 tonnes par an, et aujourd'hui elle n'en a exploité que la moitié. Donc elle souhaite donc aujourd'hui renouveler sa demande d'autorisation d'exploiter pour une durée de 18 ans afin de terminer l'exploitation des déchets ardoises présents au-dessus de la cote topographique de 65 mètres. Et les deux dernières années seront consacrées à la remise en état du site. Donc, toutes les modalités d'exploitation demeurent similaires à celles prévalant en 2003. Et aujourd'hui, à l'exception d'une demande de régularisation du périmètre d'exploitation, donc pour une renonciation d'une partie de 4 414 m² et une extension de 15 484 m², et ça correspond à la superficie qui était déjà utilisée pour l'exploitation. Donc, le périmètre du projet représente ainsi maintenant une surface de 8 hectares 100 exactement. Une enquête publique a été programmée pour une durée de 33 jours consécutifs sur la période du 18 juin au lundi 20 juillet 2020. Donc elle est consultable en ce moment en mairie. Donc la commission développement durable, ce dossier a été exposé en commission développement durable réunie le 24 juin 2020 et la commission a proposé à l'unanimité un avis favorable. Donc, considérant que le projet déposé par la SASRV correspondant à une demande de poursuite et de finalisation de l'exploitation du terril ardoisier sans modification des modalités d'exploitation, que cette demande s'accompagne d'un engagement à remettre le site en état les deux dernières années de l'autorisation, que la demande d'extension du périmètre est compatible avec les dispositions du PLU de Noyant-la-Gravolière et que les impacts environnementaux demeurent limités et que les mesures prises par la SAS sont suffisantes. Donc, je vais développer un petit peu cette partie-là. Donc, aucune intervention n'est faite sur les cours d'eau, aucun prélèvement en eau est effectué. Il y a des dispositions pour préserver la faune et la flore. Aucune dérogation n'a été demandée au regard des espèces protégées. Aucune zone humide est impactée. Et les avis demandés aux autorités gouvernementales en charge de l'environnement ont tous été favorables. Et l'avis demandé à l'Agence régionale de santé, notamment pour l'aspect sonore, a été rendu favorable aussi. Donc, au regard de tous ces éléments, donc je vous propose d'émettre un avis favorable à cette demande. Merci. Y a-t-il des questions ? Vous pouvez venir au milieu, là ? Attendez. Avant de parler, arrivez au micro parce qu'ils ne vous ont pas entendu. Oui, il y a une enquête d'utilité publique qui a été diligentée et qui est en cours. C'est en cours, oui. Et je ne comprends pas pourquoi le conseil municipal n'attend pas le résultat de l'enquête d'utilité publique pour se prononcer. Le,
le dossier. Oui, c'est ça, tu dois le passer de toute façon. De toute façon, la commune a étudié ce dossier, donc on l'a fait. On l'a fait sérieusement avec les services et on l'a passé en commission développement durable. C'est un dossier qui c'est une reconduction, hein, c'est un dossier qui n'a jamais posé aucun souci. Donc voilà, on n'est pas dans. Alors pourquoi est-ce que l'enquête d'utilité publique n'a pas eu lieu plus tôt ? À cause du Covid. Oui, sans doute. Elle a eu lieu quand les services de la préfecture nous l'ont diligenté. Voilà. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder au vote. Alors, ceux qui sont pour, 1, ceux qui sont contre, 2, ceux qui s'abstiennent, 3. Merci. Le prochain point, j'appelle Christophe Gatineau. C'est la convention avec la CAF de Maine-et-Loire et les Franca de Maine-et-Loire pour renouveler le dispositif promeneur du net. Bonsoir à tous. Donc, il convient de renouveler la convention avec la CAF de Maine-et-Loire et les Franca dans le cadre du dispositif promeneur du net. Le numérique, à travers les réseaux sociaux, fait partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux jeunes. C'est pour cette raison qu'il est souhaité que l'espace jeune, présent sur site et sur les communes déléguées à travers des activités décentralisées, soit présent également sur les réseaux sociaux. Le promeneur du net, donc qui est un professionnel clairement référencé sur un site dédié avec sa photo ou celle de sa structure, sa profession et à minima son prénom, et qui assure une présence éducative sur Internet auprès des jeunes dans le cadre de ses missions habituelles, élargit le champ d'action et de présence sur ce qui est appelé maintenant la rue numérique. Cette présence éducative va aider les jeunes à développer de bonnes pratiques et prévenir d'éventuels risques. Donc en gros, les animateurs, ils sont là pour créer des animations pour les jeunes, mais ils sont aussi là parfois pour écouter dans le cadre problématique que les jeunes et les enfants peuvent rencontrer. Et donc effectivement, il y a la vive voix, mais il y a aussi aujourd'hui l'Internet qui est très présent chez les jeunes. Donc il est très logique, enfin il est logique que la collectivité utilise aussi Internet pour répondre à ses besoins et à ses questions. Donc voilà. Avez-vous des questions ? Non ? Donc si vous en êtes d'accord, on va procéder au vote. Ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Irène ? Merci. Donc tu restes avec nous pour le point suivant, qui est l'accueil de loisirs communaux extrascolaires, convention avec la CAF de Maine-et-Loire, dans le cadre du Fonds local d'accompagnement d'accessibilité enfants en situation de handicap. Oui, donc il convient de signer à nouveau une convention avec la CAF de Maine-et-Loire, dans le cadre, donc, comme disait Geneviève, du Fonds local d'accompagnement accessibilité enfants en situation de handicap. Ce dispositif apporte des moyens financiers supplémentaires aux gestionnaires d'accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire, donc en gros la collectivité, accueillant des enfants de 3 à 17 ans en situation de handicap et bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc tu nous demandes de la profession. Oui, s'il vous plaît. En gros, enfin quelques détails. Le but, en fait, c'est... On rencontre en fait les parents qui sont demandeurs de l'accueil de loisirs. Donc ils rencontrent les animateurs, ils rencontrent les structures présentes, et en fait il y a un échange qui se fait entre les familles et les animateurs, et donc le but c'est pas des enfants qui ont un handicap très très lourd, hein. Donc c'est de l'intrusion en fait, donc que les enfants handicapés participent comme les enfants normaux entre guillemets, mais tout le monde est normal, aux activités qui sont proposées par les accueils du loisir et l'espace jeune. Voilà. Merci Christophe, avez-vous des questions ? Nous allons pouvoir procéder au vote. Alors, ceux qui sont pour, 1, ceux qui sont contre, 2, ceux qui s'abstiennent, 3. Monsieur Cartillet.
Merci. J'appelle maintenant Hubert Boultereau. Donc le premier point que tu vas avoir à traiter, c'est pour la commune déléguée que tu connais bien, de Bourdirée, convention de servitude avec le SIUML et convention de mise à disposition d'un terrain pour la pose d'un poste HTABT, route du Tremblay. Bonsoir à tous. Oui, bien sûr, il s'agit d'une convention de servitude à passer avec le SIUML pour le renforcement du poste route du Tremblay sur la parcelle cadastrée B1748 sur le territoire de Segré-en-Anjou-Bleu, commune déléguée de Bourdirée. Voilà, donc il s'agit de mettre un transformateur, il y a donc une ligne de haute tension en fouillir, et tout ça pour alimenter un futur lotissement. Merci Hubert, avez-vous des questions? Nous allons pouvoir procéder au vote. Donc ceux qui sont pour 1, ceux qui sont contre 2, ceux qui s'abstiennent 3. Merci. Donc le point suivant sera sur la commune déléguée de Noyant-la-Gravaillère. C'est une convention qui est relative à l'enfouissement coordonné des équipements de communication électronique dans le cadre de l'enfouissement de la rue Georges Bachelot entre oui. Orange, le SIML et la commune. Eh bien oui, tu dis tout, Geneviève, que veux-tu ? Moi, je dirais plus rien. Alors. Eh bien, il s'agit bien sûr d'une convention. Geneviève a tout dit, mais que voulez-vous ? Mais il y a quand même le numéro de l'opération qui est de 331.1802 sur l'enfouissement des réseaux aériens rue Georges Bachelot. Et bien sûr, je vous demande d'approuver cette convention. Bon, je vois que tu es frustré, le prochain coup, je dis plus rien. Mais si, Geneviève, tu as le droit de tout faire. Tu es même le maire, que veux-tu ? Nous nous inclinons, nous autres. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons procéder au vote. Donc, les personnes qui sont pour 1, 2 contre, 3 abstentions. Merci. Alors, je t'écoute, Geneviève. Bon, ce n'est pas une alors, comédie. Alors, c'est le point numéro 15. Voilà, et c'est on va parler point, convention. Bien sûr. Donc, c'est toujours sur la commune déléguée de Noyant-la-Gravoyère. C'est une convention, là aussi, relative à l'enfouissement coordonné des équipements de communication électronique télécom dans le cadre des enfouissements de la rue Neuville, entre Orange, le SIUML et la commune déléguée de Segré-en-Anjou-Bleu. Alors, pas la commune déléguée, la commune de Segré-en-Anjou-Bleu. Excuse-moi. Oh, oh, la commune déléguée, la commune de Segré-en-Anjou-Bleu est devenue déléguée. Quelle bavure, quand même. Je m'en excuse. C'est la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, bien sûr. Et bien sûr, il s'agit, cette convention concerne l'opération 229, .16.03 sur l'enfouissement des réseaux aériens rue Neuville. Et je vous demande d'approuver cette convention. Je n'ai plus rien à dire maintenant. Avez-vous des questions? Non? Donc on va procéder au vote. Donc ceux qui sont pour 1, ceux qui sont contre 2, ceux qui s'abstiennent 3. Merci. Le point suivant, c'est le point numéro 16. Et ça concerne oui. La commune déléguée de Nioiseau. Eh bien voilà, nous sommes à Nioiseau. Là aussi, il s'agit d'une convention de servitude avec le SIUML pour la desserte de Madame Lepage et de Monsieur Pinault. Donc,
Madame Lepage et Monsieur Pinault, rue Carreau, du Carreau, sur les parcelles 1070-233C et 1106-233C sur le territoire de Segré-en-Joubleu, commune déléguée de Nivoiseau. Eh bien, je vous demande d'approuver cette convention là aussi. Avez-vous des questions? Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Merci. Toujours Hubert, le point numéro 17. Voilà, nous sommes maintenant sur la commune déléguée de Saint-Martin-du-Bois. Là aussi, il s'agit d'une convention de travaux de mise en place d'un support béton et réalisation d'une tranchée sur le domaine public avec le CML pour le nouveau poste numéro 45, la Bourdonnière. Donc cette convention, il y a deux conventions. Donc le support béton, c'est une convention numéro 331-19.28 et l'autre convention concernant le réseau basse et moyenne tension, c'est 331-19.28.01 à passer donc avec le CML. Donc je vous demande d'accepter cette convention. Et on avait même un schéma. Il y avait même le schéma, oui. Avez-vous des questions? Non. Nous allons procéder au vote. Ceux qui sont pour, 1. Contre, 2. Abstention, 3. Merci Hubert. On en a perdu. Voilà, Marilyn. Merci. Le point suivant, j'appelle Pierre-Marie Eulin. Donc le point suivant, en fait, concerne un véloroute provisoire entre Segré et le Lion d'Angers. Bonsoir à tous. Pas facile de passer après Hubert quand même. Hein. Donc je vous rappelle que Anjoubleu Communauté et la communauté de communes des vallées du Haut-Anjou ont engagé dernièrement une réflexion sur l'aménagement d'une voie verte sur le chemin du halage situé le long de l'Oudon entre Segré et le Lion d'Angers. Et ce, pour connecter les itinéraires structurants existants sur le territoire, tels que les voies vertes Château-Gontier-Segré, Segré-Châteaubriant et les chemins de halage de la Mayenne. En attendant l'aménagement définitif de cette liaison en site propre, il est proposé de mettre en œuvre un itinéraire provisoire en empruntant les voies communales existantes. À ce titre, je vous rappelle qu'une délibération en date du 19 décembre 2019, le conseil municipal a approuvé que la commune de Segré-en-Anjoubleu, compétente en matière de voirie, prenne en charge les travaux de jalonnement de l'itinéraire qui sera retenu par les collectivités et qu'elle conventionne avec la communauté de communes des vallées du Haut-Anjou afin de répartir équitablement les coûts de cette opération. Et depuis cette délibération, une demande de subvention leader a été déposée auprès du GAL de l'Anjoubleu. Cette demande vient donc modifier le plan de financement initialement prévu dans la convention entre la commune de Segré-en-Anjoubleu et la communauté de communes des vallées du Haut-Anjou. L'étude au niveau des investissements, une étude pour 8 000 euros et les travaux de jalonnement de l'itinéraire retenu pour un montant de 15 520 euros, donc un total d'investissement de 23 520 euros. Et au niveau du financement, le conseil départemental 49 pour 7 056. La subvention leader pour 9 408 euros et le solde se répartissant équitablement entre la CCVHA et Segré-en-Anjoubleu pour chacun 3 528. Donc, on vous demande d'approuver ce plan de financement pour faire cette étude. Avez-vous des questions? Donc, nous allons pouvoir procéder au vote. Les personnes qui sont pour, 1.
Contre 2. Abstention 3. Merci Pierre-Marie. Madame Dussault. Merci. J'appelle maintenant Daniel Brossier. Dans le cadre de l'OPA-RU, il va nous parler de l'extension du dispositif façade renforcée. Oui, donc par délibération en date du 13 septembre 2018, le conseil municipal a approuvé dans le cadre de l'OPA-RU relative au centre-ville de Segré et au centre de bourg de Saint-James-d'Ordigné le règlement d'intervention du dispositif façade dit renforcé. Celui-ci vise notamment à accroître les taux de subvention auprès des propriétaires occupants et bailleurs dans leurs travaux de ravalement d'immeubles, à savoir réfection des murs de clôture, 40% du montant des travaux hors taxes avec un plafond de 3000 euros par pan, enduit traditionnel, chaux, SIPA, restauration, 40% du montant des travaux hors taxes avec un plafond de subvention de 6000 euros par pan, travaux entraînant un surcoût architectural, remplacement de la pierre tuffeau notamment, 40% du montant des travaux hors taxes avec un plafond de 32 000 euros par pan, travaux de maçonnerie, bois et remplissage, 40% du montant des travaux hors taxes avec un plafond de 25 000 euros par pan, le règlement d'intervention cartographie en son annexe 1, les 61 biens représentant 142 pans de façade éligibles à ce dispositif, à l'intérieur du périmètre de l'OPA-RU, suivant un critère de niveau de dégradation. Or, à ce jour, seuls 15 dossiers ont été déposés. Aussi, afin d'accroître le nombre de bâtiments éligibles, il est proposé d'étendre les modalités du dispositif dit renforcé à l'ensemble des biens situés dans le périmètre de l'OPA-RU, Segré et Saint-James-d'Andigné, et ce, dans la limite de l'enveloppe budgétaire initiale. Les autres articles du règlement d'intervention demeurent toutefois inchangés, en particulier l'exclusion de ce dispositif au cas suivant. Les devantures commerciales, les bâtiments publics, les bâtiments appartenant aux collectivités locales, administrations, établissements assimilés. Les pans de façade faisant l'objet d'une rénovation partielle de la façade donnant sur l'espace public. Par rénovation partielle s'entendent les travaux à l'issue desquels seule une partie du pan de façade serait rénovée. Les pans de façade ayant fait l'objet d'un sinistre et dont les travaux sont pris en charge par l'assurance des propriétaires ou copropriétaires. Donc je vous propose de donner un avis favorable à cette extension du dispositif. D'accord. Puis je vois que vous l'avez vu en commission d'urbanisme le 16 juin. Oui. Donc, avez-vous des questions ? Oui. Vous voulez bien venir au milieu ? Oui, juste. Je profite du sujet. On m'entend là ? Oui. Oui, oui. Pour poser une question qui remonte du terrain, en fait. Est-ce que ce dispositif est aussi prévu pour d'autres communes déléguées que celles de Segré et Saint-Jean, plus tard, ou est-ce que si l'enveloppe de ce financement n'est pas complètement consommée, est-ce que c'est envisageable de l'étendre à d'autres communes déléguées ? Oui. Donc on va peut-être passer la parole à Jean-Noël, qui est responsable de l'OPA au niveau de la communauté de communes. Le même micro. Alors c'est vrai que les compétences communauté de communes, les communes versent en effet les aides donc, directement donc, aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs. Et la compétence intercommunale, c'est l'animation en ce qui concerne la politique de l'habitat. Ce qui est prévu, hein, il y a eu deux opérations sur la communauté de communes, une opération sur les communautés de communes, les communes de l'ancienne communauté de communes de Pont-Sécombré,
voilà, qui a démarré et qui va se terminer en 2022. Et puis on a également donc cette opération sur le centre-ville, mais une partie du centre-ville de Segré et le centre-bourg de Saint-James-d'Andigné. Et l'idée, puisqu'on a arrêté un programme local de l'habitat, c'est à partir de 2022, à travers les expériences que nous aurons eues de ces deux OPA et RU, de pouvoir généraliser et de créer, donc, on aura donc une étude préopérationnelle dans quelques temps, de généraliser donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, rénovation urbaine, sur l'ensemble des communes de la communauté de communes, sur l'ensemble du territoire, avec sans doute des objectifs qui seront différents entre le diffus, c'est-à-dire la campagne, les centres, les polarités urbaines et les centres-bourgs. Voilà. Et c'est bien le conseil municipal, c'est les commissions associées qui sont... qui propose ces extensions pour le, même si c'est pour 2022, c'est à notre initiative. Quand je dis à notre ou à votre, je veux dire, ça vient d'ici, c'est pas Alter qui décide. Ah non, ils vont. Ce sont les élus qui ont voté le programme local de l'habitat. Le programme local de l'habitat a une démarche participative avec les acteurs de l'habitat, les bailleurs sociaux, mais également l'ensemble des élus, des conseils municipaux, des maires notamment, de toutes les communes dans le mandat précédent. Hein, mais bien entendu, cette dynamique, elle va continuer. Merci, messieurs. Donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir passer au vote. Donc, ceux qui sont pour, 1, ceux qui sont contre, 2, ceux qui s'abstiennent, 3. Merci, Daniel. Merci. Je vais maintenant appeler Bruno Chauvin pour le tableau des emplois. Donc il s'agit, comme pour toutes les séances, de procéder, enfin de délibérer sur la modification du tableau des emplois. Et pour cette fois-ci, ce que je vais vous demander d'approuver, c'est la suppression d'un emploi permanent fonctionnaire à temps complet pour un poste d'adjoint social principal deuxième classe et de bien vouloir créer 2 postes d'adjoint administratif principal deuxième classe, 2 postes d'adjoint technique principal deuxième classe, 1 poste d'adjoint d'animation principal deuxième classe, 1 poste d'adjoint technique et 1 poste d'adjoint social. Juste pour repréciser, comme la dernière fois, que nous créons des postes pour accueillir en fait les avancements de grade des agents. En ce qui concerne le nombre d'agents au total, il reste toujours le même, c'est-à-dire enfin, l'effectif en équivalent temps plein est à peu près de 221 personnes à la fin du second semestre 2020. Je crois qu'on ne voit pas bien sur le tableau les sillons. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc nous allons procéder au vote. Ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Merci. Le point suivant, c'est toujours toi, Bruno. Ça concerne la commune déléguée de Segré, une cession d'un bien immobilier. Le 24 octobre 2014, dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et dans le cadre de l'opération de revitalisation du centre-ville, nous avons acquis un immeuble situé 12 rue Gambetta pour un montant de 90 000 euros. Donc je pense que vous le situez sur la carte. Il se trouve aujourd'hui que 2 personnes se sont montrées acquéreurs de ce bien. Parce qu'ils ont leur local commercial qui est situé juste en dessous et qu'il y a en fait derrière cette opération d'amélioration de l'habitat également un programme lié à améliorer la copropriété. Donc ce que je vous demande d'approuver aussi aujourd'hui, c'est la vente de ce bien à ces 2 personnes pour un montant de 93 000 euros, c'est-à-dire strictement le prix auquel on l'a acheté en 2014. Plus les frais d'acte. Avez-vous des questions? Oui, vous pouvez venir là.
Bonjour Madame le maire, bonjour messieurs, mesdames les conseillers. Donc oui, moi j'ai quand même une question en fait. Donc vous l'aviez acheté en fait en entier avec le local commercial et vous le louiez en fait aux gens qui sont actuellement dedans. C'est ça ? Non, absolument pas. On a acheté que l'immeuble sans le local commercial. D'accord. Et en fait, on n'a jamais loué. On a acheté un immeuble vide. D'accord. Donc vous avez acheté le haut de l'immeuble et eux, ils étaient au rez-de-chaussée en commerce, c'est ça ? Absolument. Alors mon autre question, c'est 90 000 euros sans les frais de notaire. Moi, j'aimerais savoir en fait la globalité de l'achat. À combien c'est revenu à la commune, en fait ? Avec les frais de notaire ? Oui. 94 000 euros. 94. Bon, à peu près. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions ? Nous allons pouvoir procéder au vote. Un pour ceux qui sont pour, deux contre, trois abstentions. Merci. Donc, le point suivant concerne aussi la commune déléguée de Segré sur une cession de biens immobiliers. Le 15 mars 2018, le conseil municipal a décidé de désaffecter un petit bâtiment de 21 mètres carrés qui se situe sur la promenade de Ferndon pour permettre en fait à messieurs Collet et messieurs Chevalier de monter un projet immobilier. Et c'était tout à fait pertinent par rapport en fait à la localisation du site. Malheureusement, cette opération n'a pas pu se faire à la suite de la demande des acquéreurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, une personne se propose de réaliser strictement le même projet, puisque c'est messieurs Collet et Chevalier qui ont vendu ce projet. Et donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de nous permettre de vendre à madame Michèle Menu ce petit bâtiment de 21 mètres carrés au prix de 3500 euros. Avez-vous des questions ? Nous allons pouvoir procéder au vote. Ceux qui sont pour, 1. Ceux qui sont contre, 2. Ceux qui s'abstiennent, 3. Merci Bruno. Irène, Marie-Bernadette. Merci. Donc maintenant, je dois vous rendre compte aussi des décisions que j'ai dû prendre par la délégation que vous m'avez accordée. Donc vous avez les fiches devant vous. Avez-vous des questions ? Je ne vais pas vous les lire. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Pas de questions ? Ensuite, vous avez aussi devant vous la déclaration d'intention d'aliéner pour lesquelles la commune de Segré en Anjou Bleu a décidé de ne pas exercer son droit de préemption. Donc c'est pareil, je ne vous les lis pas, vous les avez sur un tableau. Vous pouvez donc les consulter. Donc nous sommes arrivés en fin des points. Nous avons des questions diverses. Donc les questions diverses, je vais demander aux gens, alors je suis désolée, vous n'allez pas venir dans le désordre, monsieur. Donc je demande à Mme Debournay de venir, puisqu'elle nous a posé une question, elle va bien vouloir vous la lire. Bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors voici ma question, madame le maire. Alors que la Convention citoyenne pour le climat vient de rendre ses conclusions et engage le gouvernement à adopter un moratoire pour l'arrêt de la bétonisation des périphéries de nos villes, nous avons appris dans la presse que le magasin Lidl allait s'installer à côté des pépinières Malinge
et solliciter à ce titre une modification du plan local d'urbanisme. Cela nous interroge. Premièrement, à quoi sert d'élaborer un plan local d'urbanisme, qui est une procédure longue et coûteuse, pour le modifier à la première sollicitation? Deuxièmement, avez-vous des certitudes quant à l'avenir des anciens locaux, Lidl, afin de ne pas créer une deuxième friche commerciale comme celle de l'Intermarché? Je vous renvoie également au Lidl de Candé, qui est abandonné depuis 3 ans. Le Lidl fait office de commerce, troisièmement. Le Lidl fait office de commerce de proximité pour les habitants du quartier de Régnier qui peuvent s'y rendre à pied. Est-ce que vous les imaginez en train de traverser le rond-point de la route de Château-Gontier? Ce qui amène ce quatrième point, comment se fera l'accès à ce nouveau magasin qui paiera la voirie? Cinquième point, évidemment, artificialisation des sols, bétonnage, goudronnage, enlaidissement du cadre de vie. Tout ça pour combien d'emplois ETP équivalent temps plein créés? En vous remerciant de votre attention, je voudrais aussi, depuis il y a eu la Convention citoyenne et Emmanuel Macron qui s'est prononcé, je vous lis une partie très courte. Il s'est engagé à interdire toute artificialisation des terres tant que des réhabilitations de friches commerciales, artisanales ou industrielles sont possibles dans l'enveloppe urbaine existante. Il me semble que c'est le cas à Segré. Et par conséquent, de prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements des zones commerciales périurbaines très consommatrices d'espace. Voilà. Je vous remercie pour votre question. Gilles, tu viens nous répondre. Bonsoir. Je vais essayer de répondre point par point à vos interrogations. Le premier point, le PLU est effectivement fait pour une durée assez longue, mais c'est un document qui doit vivre. Et plutôt que de faire des révisions longues et coûteuses, il est courant de faire des modifications, des procédures beaucoup plus légères. La zone évoquée est déjà qualifiée par le PLU en zone d'activité à destination de l'artisanat. La modification consiste à autoriser à ce qu'elle puisse accueillir également du commerce. Ce n'est donc pas un centre d'activité supplémentaire. Ce n'est pas exactement le même genre de commerce. Non, vous me laissez finir, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Il est convenu, tant par le porteur de projet que par la municipalité, que le transfert envisagé ne pourra se faire que si l'actuel site est doté par le porteur de projet d'une nouvelle destination. Donc pas de friche. Le nouveau site aura aussi un rôle de proximité pour les lotissements du Paty et du Courpiver, si vous voyez la topographie. Très bien, merci. Ainsi que pour les habitants situés de l'autre côté de l'axe Angers-Rennes. Par contre, les habitants de Rognier seront toujours, bien sûr, à proximité du Super U, qui continuera à être un commerce de proximité. L'accès doit se faire de façon sécurisée, et ce, à la charge des porteurs de projet. Enfin, il s'agit d'un projet de transfert, agrandissement, qui devrait induire, puisque c'est un agrandissement, une augmentation donc des effectifs. Voilà. Okay. Donc, est-ce que vous pouvez quantifier l'augmentation des effectifs exactement? Parce que non, parce pour que, les mettre en balance. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est une demande d'urbanisme qui est faite, et ce n'est pas une approbation d'un projet. Ok. Ensuite, est-ce que l'accès se fera par la route de Château-Gontier ou est-ce qu'il se fera par la 4 voies? Il ne peut pas se faire par la 4 voies. D'accord. Donc par la route de Château-Gontier, il faudra donc qu'il soit sur l'aire de covoiturage. Je vois pas, sinon il ne va pas passer par le lotissement. Il y a une étude qui est faite pour voir quel est l'accès le plus favorable. Ce n'est pas forcément sur l'aire de covoiturage. Il n'y a pas beaucoup d'autres places que l'aire de covoiturage, une zone piétonne et l'accès au lotissement. C'est possible, mais encore une fois, nous ne sommes pas dans la définition du projet. Nous sommes pour l'instant dans une modification du plan d'urbanisme. Oui, je tenais quand même à informer.
Et il y a, sur l'aire de covoiturage, il y a une borne électrique aussi. Donc il faudra, évidemment, si on passe par là, modifier l'emplacement de la borne qu'on vient de mettre il y a quelques mois. Oui, oui, c'est pas... Bon. Ouais, c'est, rien n'est infaisable. Voilà. Enfin, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, c'est un magasin bleu, comme Segret en Anjou bleu, ce qui sera un beau totem du monde d'avant. Pour moi, ce n'est pas du tout un projet du monde d'après. Merci. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, madame. Merci, Gilles. Donc la question suivante nous est posée par Christian Michineau. Madame le maire, au-delà de la création des nouvelles communes, bien des défis restent à relever pour asseoir leur légitimité. L'objectif initial est de promouvoir cette fusion de communes pour faciliter la réalisation d'investissements coûteux, permettre la poursuite d'un service public de qualité dans le cadre d'une réforme en profondeur de la gouvernance locale. Parcs exposition, piscines, cinéma, centres culturels, autant de réalisations multiples et ambitieuses à Segret en Anjou bleu, permettant de réaliser des économies et mutualiser les moyens matériels et humains. Force est de constater que la réalisation d'un terrain synthétique à Segret en Anjou bleu a de quoi nous interpeller aujourd'hui. Les faits sont là, même si la décision de sa mise en œuvre fut loin de ressembler à un plébiscite. Au-delà de son coût exorbitant, les usagers vont-ils vraiment y trouver un bénéfice ? Pour leurs impôts, la cohésion du territoire dans lequel ils vivent quotidiennement. Madame le maire, ce terrain sera-t-il réservé au seul club de football de Segret ou sera-t-il mis à disposition des clubs voisins, des communes déléguées de Segret en Anjou bleu, lors des périodes hivernales difficiles pour une pratique décente de leur sport favori ? Merci. Merci pour votre question. Je vais appeler notre adjoint au sport, Nicolas. Bonsoir à tous. Alors, merci pour cette question, Monsieur Michineau, parce qu'au moins je vais pouvoir répondre à cette question une bonne fois pour toutes devant tout le monde, puisqu'on me l'a posée déjà plusieurs fois. D'ailleurs, on ne me demande jamais pourquoi, par rapport au planning de la salle de sport de Saint-Martin ou celle de Noyon, personne ne veut savoir qui ira faire du sport là-bas. Voilà. Je vous répondrai après. Si vous voulez. Je précise que la réponse que je vais vous donner, je l'ai déjà donnée en commission sport, parce qu'elle a été posée, et que quelqu'un de votre liste aurait pu vous donner la réponse. Mais si vous la voulez en public, il n'y a pas de problème. Donc, le terrain synthétique dont nous allons disposer maintenant remplace un terrain en herbe qui était précédemment implanté ici, qui était très utilisé. Ce n'est pas un équipement supplémentaire, il remplace un existant. Par contre, ce nouveau type de revêtement nous permettra d'accumuler les créneaux d'activité aussi bien sportifs que scolaires. Bien sûr, sans entretien. Concernant le planning d'utilisation de ces équipements, les associations qui l'utilisent le connaissent très bien, ce système. Ils nous contactent, ils font leurs demandes, on voit la possibilité, et en cas de conflit, au moins, de personnes qui veulent l'utiliser en même temps, c'est la commune nouvelle de Segret en Anjou bleu qui tranche en étant propriétaire des locaux. Voilà, je pense que ça, c'est assez clair. Pour le reste, concernant le coût du terrain, vous pouvez en effet penser que c'est un coût exorbitant. Maintenant, sur une quinzaine d'années, ce qui est la durée de vie en règle générale d'un terrain synthétique, sachant que vous divisez le coût d'entretien par environ 12 ou 13, vous verrez qu'à la fin, la note ne sera pas aussi salée que celle que vous penseriez qu'elle pourrait être. Voilà, monsieur. Merci. Effectivement, l'argument de la commission, donc, je pense qu'il est assez... il vous paraît logique, il est assez facile, mais je pense que c'est un point quand même qui mérite d'être mis en place. Le terrain est installé depuis l'été. Donc maintenant, effectivement, chaque commune déléguée a mis sa pierre à l'édifice pour l'implantation de ce terrain. Et je ne sais pas si tout le monde est au courant aujourd'hui. Nous avons un bien qui est donc financé par l'ensemble des communes déléguées.
Et on peut légitimement se poser la question de savoir effectivement si tout le monde pourra avoir accès sur simple demande. Je conçois tout à fait que certaines communes déléguées ne soient pas intéressées pour l'utiliser. Chacun aura ses raisons. Mais je pense qu'il était tout à fait normal et légitime de s'interroger pour le bien commun. Mais de la même façon, les vestiaires qui ont été faits à Saint-Martin-du-Bois ont été payés par la collectivité. De la même façon, la toiture de Noyers-la-Gravoyère est rénovée par l'ensemble de la collectivité. Tout ce que nous faisons aujourd'hui est fait par la collectivité. Enfin, concevez que les Segréens... Vous pouvez poser la question, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se poser la question sur chaque terrain. La commission a son mode de fonctionnement. On choisit en fonction de la localité des clubs demandeurs, en fonction de l'activité intérieure ou extérieure, et à partir de là, on arrive à une solution, et jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais eu aucun problème. Enfin, pour moi, en tout cas, forcément, ça fait que 3 semaines que je suis là, je n'ai jamais eu aucun problème. Je ne remets pas en cause, mais je le conçois. Ne vous inquiétez pas, les gens qui sont utilisateurs seront très intelligents, et on arrivera à trouver une solution, tout le monde s'y retrouvera. Le jour où vraiment on aura un problème qui tombera des cordes, on trouvera une solution. Je vous remercie de me laisser terminer, mais juste un argument, oui, je ne pense pas que les Segréens 1 aient envie d'aller utiliser les vestiaires de Saint-Martin-du-Bois. Oui, mais après, un footballeur, selon moi, veut jouer sur un terrain en herbe, il a tout ce qu'il faut partout. Le moment venu, s'il y a besoin que l'on mette à disposition un terrain synthétique, la question se posera. Merci. Ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution, quoi qu'il en soit. Merci. Ne vous inquiétez pas. Merci, merci Nicolas, mais tu restes là puisque la prochaine question, on va répondre à deux voix. Madame Dussault. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Voici ma question. Madame le maire, les habitants de Saint-Martin-du-Bois s'interrogent sur l'installation qui a été posée devant l'église de leur village. En effet, la précédente commission des espaces verts et embellissements paysagers avait décidé d'installations parsemées sur notre territoire représentant le viaduc de Segré, la voie verte, ses habitants et sa végétation. Or, pour Saint-Martin, ça s'est concrétisé par un pont brinque-ballant peint en bleu et d'un bout de moquette verte avec des petits bonhommes en ferraille à tête géométrique et pour finir, de bouts de branches d'arbres peints eux aussi en bleu. Le ressenti des habitants ne s'est pas fait attendre. En voici des extraits. C'est laid, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, navrant. Cela dévalorise notre village, c'est nul, c'est consternant. Voilà ce qu'ils font de nos impôts, clownesque, ça sert à rien, et j'en passe. Madame le maire, pourriez-vous nous dire combien ont coûté ces installations et si pour vous elles mettent en valeur l'image de Segré en Anjou bleu? Pour ma part, je pense qu'une réflexion de taille s'impose, qu'il va falloir réfléchir à l'image que nous voulons donner de nos villages et pour quel avenir nous évitions les railleries et sarcasmes des habitants de notre territoire. Je sais que nous sommes ici nombreux à penser que le laid désespère, que la laideur déprime, alors que le beau rend heureux. Nicolas va répondre, on va répondre à deux voix. Une, parce que Nicolas est le maire délégué de Saint-Martin-du-Bois, donc je crois qu'il connaît bien les habitants de Saint-Martin, donc il va pouvoir nous en dire aussi quelques mots. Alors vous savez, aimer quelque chose... Le trouver beau, c'est assez subjectif. Absolument. On est bien d'accord? Oui. Probablement, on n'aime pas forcément les mêmes choses. Non. Alors, moi, j'ai par habitude de dire que je n'aime pas. Je ne dis pas c'est moche. Je n'aime pas. Donc ça, c'est une chose. Ouais. Il faut quand même rendre... Et je vous trouve un peu dur. Parce que... Attendez, oui. Je vais jusqu'au bout. Effectivement, la commission d'avant avait choisi ce thème, qui, ma foi, est fort sympathique. Peut-être un peu plus difficile à mettre dans les actes et pour voir créer quelque chose. Mais c'est surtout que pendant 2 mois et demi, nous avons connu l'arrêt de toute activité. La Covid-19 est passée par là. Et je peux vous dire que certaines communes, avec leur personnel, ont quand même un petit peu cavalé pour pouvoir créer. Et puis tout le monde n'a pas l'âme créateur. Donc déjà, ils y ont passé des heures.
Moi, à mes yeux, je trouve que c'est déjà bien ce qu'ils ont fait. Que ça vous plaise pas, peut-être que ça me plairait pas non plus. Mais pour autant, d'aller dire ce que vous dites, je trouve que c'est considérer que le travail, les heures que la personne a dû mettre, c'est réduit à néant. Je vais laisser maintenant Nicolas terminer, puisqu'il s'est entretenu aussi assez souvent avec ses habitants, et vous allez voir ce qu'il en dit. Juste pour préciser, le coût exorbitant de cette opération sur les 15 communes a été de 750 euros. En ce qui concerne Saint-Martin-du-Bois, moi j'y habite, vous je ne sais pas, je ne crois pas. Les habitants, je les croise quasiment tous les matins quand je vais acheter mon pain ou quand je vais à la supérette. Aucun ne m'a fait une réflexion comme vous me dites. Nombreux sont ceux, pour le coup, qui m'ont demandé ce que c'était, en effet, parce qu'ils ne comprenaient pas forcément. Après, je suis d'accord, chacun peut penser ce qu'il en pense. Dénigrer le travail des personnes, voilà, ça, on vous l'a déjà dit. En tout cas, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que vous qui nous dites depuis le début que vous serez constructif, je pense qu'il aurait été beaucoup plus constructif de faire cette remarque lors de la commission des espaces verts dont vous faites partie, surtout que le sujet a été relevé par une personne de Saint-Martin-du-Bois qui a justement bien fait de faire remarquer qu'en effet, on aurait peut-être pu faire ça autrement, mais en cherchant bien, on n'avait pas d'autre place pour le mettre. Et le fait est que suite au Covid-19, il y avait tout un fleurissement de fleurs saisonnières qui devait être mis en place, qui n'a pas pu être mis en place. Cette place est relativement ancienne désormais, elle est très compliquée à mettre en valeur. Là, pour le coup, je vous rejoins. Mais quand vous me dites que dès que ça a été installé, vous avez été assailli de remarques aussi désagréables que celles que vous dites, je vous rappelle que c'est juste devant la porte de la mairie, que la porte de la mairie est ouverte, que j'y suis régulièrement, je n'ai jamais eu aucune remarque à ce sujet-là. Voilà. Donc à l'avenir, je pense que si vous voulez être plus efficace, ce sera plus dans les commissions que juste au conseil municipal, parce que vous avez les médias qui sont à ma droite. Je pense que ce sera plus efficace. Absolument. Alors, pour ce qui est en fait de la commission où j'étais, bien évidemment, j'ai soulevé le problème en premier. Effectivement, la personne de Saint-Martin-du-Bois a repris la relève en disant qu'effectivement, les gens de Saint-Martin n'étaient pas contents. Pas contents du tout. D'accord. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire. Je n'habite pas effectivement à Saint-Martin, j'habite à Louvaine. Mais sachez que je suis souvent à Saint-Martin et que je connais pas mal de monde sur Saint-Martin. Là, ce sont des extraits qui ne sont pas de moi, c'est ce que j'ai marqué, d'accord ? Mm-hmm. C'est les retours que j'ai eus. Bah écoutez, il faut qu'ils viennent me les faire, parce que là, la porte de la mairie, en règle générale... Vous devez les impressionner, là, donc ils osent en règle générale, quand on a des soucis, la porte de la mairie est très facile à trouver, et j'ai déjà eu l'occasion depuis le début. Alors, quand vous me dites que ça a coûté 750 euros, oui. C'est que de la récup. Oui, c'est que de la récup, mais au niveau de temps, c'est pas 750 euros. Bien sûr, mais au niveau heure, c'est pas possible. Ils ont aussi. Il y a un véritable travail. Mais vous rigolez. Il y a un travail, soit, c'est indéniable. On n'a pas pris des artistes. Ah non, vous n'avez pas pris des artistes, ça, on le sent bien. Ouais. Ah non, vous avez raison de me répondre, mais je vous. Écoutez, il se trouve après, que vous trouviez ça, on va pas non plus y passer la soirée. Que vous trouviez que ce n'était pas très beau, c'est peut-être inégal sur toutes les communes parce qu'il y a des endroits où c'est plus facile de fleurir que d'autres. Non, le fait est que peut-être celui-ci était moins bien. Maintenant, il ne faut pas tout remettre en cause pour autant. Il y a eu des agents qui ont travaillé dessus. Ça n'a pas été facile de le mettre en place. Mais pour la prochaine fois, il est clair qu'on devra faire plus attention pour que ce soit en effet plus accueillant peut-être dans nos communes. Je suis d'accord avec vous. Et Nicolas, si tu veux bien, je vais conclure. Je vais juste vous donner un exemple. On fait aussi des choses et on fait aussi appel à des artistes. Eh bien, je peux vous dire qu'à chaque coup, on est loin d'avoir l'unanimité. Moi, j'ai trouvé des œuvres qu'on a mises dans certains endroits et je regarde les gens qui ont pu s'en occuper. J'ai trouvé ça absolument formidable, créatif, vivant, etc. Il y a des gens qui sont hermétiques et qui ont trouvé ça laid. Je n'aime pas. Voilà. En tout cas, à l'avenir, comme vous appartenez à la commission, donc vous aurez de bonnes idées et on tâchera de les mettre en application. Et oui, on a envie de laisser une belle image. Mais là, il faut quand même savoir qu'on a traversé une période difficile et que je pense effectivement qu'avec de la récup, ils ont essayé de faire quelque chose. Alors, c'est pas à notre goût, c'est peut-être pas à votre goût, mais voilà, c'est comme ça. Bon,
parlais en fait du ressenti en fait des habitants. Je parlais pas en fait de moi. Oui, mais vous savez, et avec de la récup, je sais très bien qu'on peut faire de très belles choses, qu'il y a de très grands artistes qui le font effectivement. Voilà, chacun son business. Eh oui. Merci. Merci, madame. La question suivante, c'est la question de madame Danjou. Alors moi, avant de poser ma question, je vais quand même tout de suite dire que je ne suis pas là pour vous attaquer. Je suis juste là pour remonter une constatation de façon à changer la chose, enfin, dans un bon esprit et une bonne ambiance. Donc, lors du dernier conseil, en fait, M. Gallon nous a présenté les plans de réfection de la rue du Pinelier, dont le but était, nous a-t-il dit, de la rendre utilisable en sécurité avec une voie partagée vélo-piéton. À la question de Mme de Bournay, inquiète du partage des voies, M. Gallon a répondu que cet aménagement avait déjà été réalisé route de Poincet et qu'il ne posait pas de problème. Or, il en pose. J'ai été témoin d'un accident en fait en face de la piscine. J'avais demandé à ce moment-là à la gendarmerie de prévenir la municipalité d'un défaut de visibilité de la piste cyclable ayant entraîné cet accident. En raison soit d'un problème de transfert d'information, soit d'un problème de réaction à l'information, les choses n'ont pas été corrigées. Donc je pense qu'il est important d'en prendre conscience avant de se lancer dans la réfection en fait, de la rue du Pinelier. Donc, je vous expose la situation. La jeune fille en fait, victime de l'accident ne roulait pas sur la piste cyclable, et pour cause, en fait, on ne sait pas que c'en est une. Elle roulait sur la chaussée devant la piscine. Elle était suivie par une 4L qui, après l'avoir klaxonné 3 fois, a tenté de la dépasser. L'espace n'était pas suffisamment large. La 4L a heurté le vélo de la jeune fille en la projetant sur le capot. Donc la tête de la jeune fille a heurté le pare-brise, elle a fait un roulé sur le bas-côté. Bon, elle était toute écorchée, pas en très bon état, mais quand même capable de parler. Donc j'étais la première sur les lieux, donc je lui posais quand même la question, qu'est-ce qu'elle faisait sur cette route? Qu'est-ce qu'elle faisait sur la route? Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas montée sur le trottoir? L'adolescente m'a répondu qu'elle n'avait pas le droit et qu'il était trop haut. Bon, c'est normal qu'il soit trop haut, étant donné que on n'a pas à monter dessus à cet endroit-là. Ça, je le conçois tout à fait. Du coup, ensuite, je lui ai expliqué qu'il y avait une piste cyclable. Elle m'a répondu qu'elle n'a pas vu, qu'il y avait des gens qui marchaient de front, donc elle n'a pas l'espace d'un instant pensé qu'elle avait le droit de monter en fait, sur ce qu'elle pensait être un trottoir. Donc l'adolescente, ça vous l'explique, en fait, l'adolescente, elle n'était pas de Segré. Je veux dire, elle était en vacances chez sa grand-mère, ses parents habitaient l'autre bout de la France, elle a pris son vélo pour aller faire un tour et elle s'est retrouvée 4 jours à l'hôpital. Donc moi, je suis retournée voir en fait, la chose. Bon, c'est toujours pareil, je veux dire, il y a toujours un petit panneau en l'air qui disparaît dans la végétation pour dire que c'est une zone partagée entre les vélos et les piétons. Seulement, on ne voit pas le panneau. Il n'y a aucun marquage au sol sur toute la longueur, ça fait 1 km de long, il y a des intersections, aucun marquage au sol. Je veux dire, les gens qui ne sont pas du coin ne peuvent pas savoir. Donc moi, je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion sur les espaces partagés. Il faut vraiment que ce soit défini, que ce soit visible, qu'il y ait une vraie visibilité, de façon à garantir la sécurité de tous les usagers, que ce soit des piétons ou des cyclistes. Alors, j'avais des petites photos, bon, je les tiens à vos dispositions. Je veux dire, vous pouvez voir d'ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir voir dans ce sens-là, peut-être, voilà. Eh bien, je suis désolée, comme ça, ce sera très pratique, je vais faire avec les deux, regardez, vous allez tous voir d'un coup. Voilà, hop, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous voyez que c'est une piste cyclable? Où est-ce que vous voyez que c'est partagé? Où est-ce que vous voyez que c'est en sécurité? Je veux dire, on ne le voit pas. Merci Madame Danjou. Joseph, merci de bien vouloir apporter une réponse. Alors, rebonjour. Rebonjour. Madame Danjou, je suis effaré. Franchement effaré, les bras m'en tombent. Parce que vous entendre dire, je reprends vos mots parce que franchement, je rirais s'il n'y avait pas eu un accident. Non, mais madame, je vous ai pas interrompu. Alors, si vous voulez bien retourner à la place, laissez-moi finir. Je vous laisse finir. Parce que, quand même, vous êtes une femme, je pense, responsable. Vous avez été élue ou tentez d'être élue à la municipalité en tant que maire. Vous dites, vous êtes capable de dire que je vous ai raconté des histoires quand je vous ai dit qu'il y avait une sécurité sur les voies partagées. Puis en même temps, vous dites, j'étais témoin d'un accident. Oui. D'accord, il y a eu un accident. Vous décrivez l'accident. Oui. Et vous dites, la jeune fille était sur la route, elle n'était pas sur la voie que vous mettez en cause. Tout à fait. Et cette jeune fille,
elle était sur la route, elle a le droit d'être sur la route. On peut tous choisir d'être sur une voie piétonne ou sur une voie partagée cycliste ou sur une route. Il y a une chose que les chauffeurs, que les automobilistes n'ont pas le droit de faire, c'est de nous renverser. Et bizarrement, vous racontez l'histoire. Alors là, franchement, je tombe des nues. C'est suivi par une 4L qui, après l'avoir klaxonné 3 fois, a essayé de la dépasser dans un endroit, justement, qui a été fait resserrer pour ralentir les voitures. On sait bien qu'une voiture, un chauffeur normalement constitué, pour doubler un vélo, il doit être dans la ville à 1 mètre, dans la campagne à 1,50 m. Et visiblement, là, dans cette route-là, que je connais bien, c'était impossible. Donc le chauffeur, au lieu de dire « Monsieur Gallon nous a raconté des histoires, c'est pas sécurisé sur les passages piétons », vous auriez mieux fait de dire, mais comment se fait-ce qu'un chauffard puisse éclater la tête, parce que vous l'avez dit, éclater la tête d'une jeune fille sur son pare-brise. Mais si j'avais dit ça, franchement, si j'avais dit ça, vous corrigeriez rien. Cette affaire-là, dans la mesure où vous dites n'importe quoi. Mais non. Si. Écoutez, si j'avais dit l'inverse, vous ne corrigerez pas. Non, non, mais je vous ai pas dit. Je vous demande un marquage au sol, je demande juste une visibilité. Visiblement, vous ne roulez jamais en vélo. Si vous me laissez finir, visiblement, vous ne roulez jamais en vélo de Segré vers cette voie. Parce que vous auriez remarqué, si vous aviez vécu, je ne sais pas d'où elle venait cette fille-là, elle venait du centre-ville, sans doute. Oui. On est bien d'accord, par la rue des Hauts-Saint-Jean. Oui. Donc elle a emprunté déjà, dans la rue des Hauts-Saint-Jean, elle a emprunté la voie partagée qui commence au niveau de la rue. Madame, laissez-moi finir, vous ne connaissez pas la rue. Mais si, quand même, j'ai Vous ne savez pas de quoi je parle. Alors, m'arrêtez pas, vous allez comprendre. Vous prenez la voie, il y a une voie partagée qui démarre au niveau de la rue Fernand-Rossignol. Cette voie a été faite parce que cette voie Fernand-Rossignol, elle boucle par l'école, elle descend par... Mais je vais vous montrer des photos, j'en ai des aussi belles que les vôtres. Hein, et donc, du coup, cette voie Fernand-Rossignol nous emmène par un petit chemin qui descend à Bourchevreux. Donc, il y a des enfants qui peuvent remonter. Ils remontent Fernand-Rossignol, ils arrivent sur la rue des Hauts-Saint-Jean ou sur la bizarrement, moi, je le sais parce que j'y roule souvent en vélo dans Segré. Il y a quatre logos voie partagée qui sont juste en face de la voie que votre jeune fille a prise. Vous traversez la route, vous arrivez, non pas sur la route où il y a des voitures, mais sur la voie partagée. Et puis après, vous trouvez un peu plus loin le petit panneau qui, effectivement, est un peu caché. Cette voie n'a pas de marquage au sol. On peut toujours discuter d'en remettre ou pas d'en remettre. Il y a des études sur les voies piétonnes qui ont été engagées dans la précédente mandature avec la commission de développement durable qui ont, d'ailleurs, ça a dû être expliqué si vous avez quelqu'un de votre liste qui était dans le développement durable. Ça a été montré, les voies cyclistes qu'on est en train de regarder. Donc, cette voie n'a pas de marquage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous démarrez sur cette voie, vous ne croisez jamais une route où il y a des voitures. Jamais, jamais. Vous arrivez à la piscine, tout droit, et là, si j'ai des photos, c'est un boulevard de 3 mètres de large, sans un arbre qui gêne, parce que là, évidemment, vous avez été prendre des photos, mais là mais où regardez. Ça vous arrangeait, pour l'explication. Pas du tout, regardez. J'ai des photos, mais j'ai la presse, je peux venir, j'ai 5, 6 photos, 10 photos, si vous ça voulez. Ça semble normal qu'au moins tout, mais, un madame, certain nombre de mètres... Madame, laissez-moi finir, vous allez comprendre, puisque vous me dites qu'il y a eu un accident... C'est pas sur la voie, sur la 3 voies, c'est pas sur cette, pas sur la c'est piste pas piste cyclable qu'il y a eu un accident, c'est sur la voie publique où il n'y aurait pas dû avoir d'accident s'il n'y a pas eu de chauffard. On est bien d'accord. Oui, mais moi je parle d'un défaut de visibilité et vous ne m'entendez pas. Défaut de visibilité de la piste cyclable. Alors attendez. Non, mais ça c'est une chose. On peut très bien en discuter. Oui, moi je vous explique pour l'utiliser fréquemment avec mon vélo. Je vous explique qu'elle est très facile à prendre. Il y a plein de monde dessus. Et les enfants des écoles que je croise dessus, il n'y a aucun problème de circulation. Et tout le monde sait bien identifier que cette voie-là... Elle est... Alors après, qu'il y a peut-être besoin de rajouter des... On peut le concevoir. Mais de là à aller dire... J'étais à voir à la gendarmerie qui n'a pas écrit... C'était pas ça que j'expliquais. Défaut de visibilité, c'est seulement ça. À corriger, ce serait bien. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas le alors, défaut de visibilité. Alors, on va s'arrêter là... J'ai bien compris. Nous avons compris. Alors, on regardera. Je veux quand même rajouter autre chose. C'est que vous nous reprochez, la dernière fois, Madame de Bournay nous avait dit que c'était pas assez large, les routes, c'est dangereux. Je vous rappelle quand même que cette voie de 3 mètres, c'est exactement la même largeur que la voie verte. 3 mètres, tout le long.
Sur la voie verte, il y a des vélos électriques, pour électriques, il y a des poussettes, des landaus, il y a tout le monde qui se balade sur la voie verte et il n'y a pas d'accident non plus sur la voie verte. Si les gens respectent, si tout le monde se respecte, il n'y a jamais d'accident sur la voie verte non plus. Et cette voie-là, c'est exactement le même type de voie, en fait. Mais il est goudronné. Merci, Joseph, pour toutes ces explications. La dernière question nous... La dernière question nous est posée par monsieur de la Salmonière. Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je me permets de porter à votre attention une problématique anodine, la gestion des terres agricoles possédées par la commune. Par exemple, le procès-verbal du conseil municipal du 11 juin 2020 a porté à notre connaissance l'approbation de la mise à disposition de parcelles agricoles d'une superficie totale de plus de 3 hectares sous forme de convention d'occupation précaire à titre gratuit à M. Jean-Pierre Beaumont de La Chapelle-sur-Oudon. Sans nier les avantages que la commune en retire par l'entretien des parcelles ou par la forme du bail qui permet une récupération immédiate du terrain, je me permets de suggérer que les parcelles du Segréen pourraient être valorisées différemment, notamment par une politique de transparence mise en place par la municipalité, par exemple par la création d'une centrale des terres. En effet, les terres agricoles ne sont pas inextinguibles et leur attribution ne peut en aucun cas être source de conflits d'intérêts ou de défauts d'information par de potentiels demandeurs. Ensuite, par une location à titre onéreux qui, toujours dans le cadre d'une convention d'occupation précaire, permet aussi une récupération immédiate des biens loués. L'heure est aux économies et la commune doit s'y prêter aussi. Je vous remercie de votre attention et demande que des réflexions soient engagées sur cette problématique. Donc pour cette question, c'est moi qui vais vous répondre. Alors il faut savoir effectivement que sur notre territoire, nous avons des terres qui sont encadrées par des baux ruraux, hein, donc les gens payent un fermage, et nous avons quelques terrains, assez peu ma foi, sur le territoire, qui sont à titre gracieux. Très souvent, d'ailleurs, ces terrains sont à titre gracieux parce que c'est des terrains où on a l'intention de voir un projet pousser. Donc, on ne veut pas rentrer dans le jeu du bail précaire, parce que s'il faut qu'on les récupère plus tôt, c'est toujours très compliqué. Alors, les baux ruraux, n'en parlons pas, hein, parce qu'une fois qu'ils sont en place, on ne peut plus déloger la personne. Et le plus souvent, alors c'est hyper simple, c'est que ce sont les agriculteurs qui étaient eux-mêmes propriétaires et qui ont cédé à la collectivité ces mêmes terres, eh bien, qui continuent à titre gracieux, en attendant que ça aboutisse, hein, à l'entretenir. Donc je dirais que ça arrange effectivement bien la collectivité, puisque nous n'avons pas besoin d'y aller 2 ou 3 fois pour en gérer, en général, couper de l'air, faire du foin, etc. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que votre question est simplement atterrie ici parce que vous vous êtes dit, tiens, un ancien conseiller municipal, comment ça se fait ? Il se trouve qu'il l'exploitait avant que la collectivité lui achète. Et de toute façon, dans moins de 2 ans, ces terrains n'auront plus lieu d'être entretenus par M. Beaumont. Voilà. Quant à y mettre une centrale, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu créer encore une usine à gaz pour pas grand-chose. D'accord ? Vous avez une idée de la superficie totale des biens que vous louez à titre de convention d'occupation précaire ? Oui. Occupation précaire, non, on n'en a pas. Nous, on a les baux ruraux, et sinon, c'est gracieux. Et là, vous me parlez de bail précaire, je vous dis, on n'en a pas. Ben, c'est sous cette forme-là que vous avez loué à Jean-Pierre Beaumont, à titre gratuit. Gracieux. Il n'y a pas de location. Ben, c'est la forme du bail. Ah ben non, mais c'est pas la même chose. Une convention d'occupation précaire peut être à titre gratuit ou à titre... Oui, ou à titre mais payant. Ce n'est pas un bail. Enfin bon, toujours est-il que... Ah non, c'est pas enfin être... bon, monsieur. Appelons un chat un chat. Eh ben dans ce cas-là, c'est une convention d'occupation précaire qui pourrait être payante. C'est là où je voulais en venir. Et qui n'empêche pas de pouvoir que la commune puisse le récupérer quand elle en a envie. Non, c'est, voilà, pas aussi simple que ça. Vous m'avez dit au travers d'un mail que vous avez... du haut de vos 25 ou 26 ans, beaucoup, beaucoup d'expérience, mais je peux vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc on ne va pas créer quelque chose de compliqué pour quelques hectares de terre que nous devons récupérer. Quand il y a... Attendez, vous permettez, monsieur ?
contre, quand des gens nous font savoir qu'ils peuvent en avoir besoin, on est tout à fait à l'écoute et ça ne pose aucun problème. Ça, c'était l'autre point. Comment savoir qu'on a besoin de quelque chose si on ne sait pas qu'il existe ? Oh, alors là, alors attendez, monsieur de la Selmonière, vous n'allez pas jouer ce petit jeu-là. Je vous signale que dans les communes, dans toutes les communes déléguées, alors Segré, on est tranquille, hein, parce qu'on n'a pas énormément de terres, mais dans toutes les communes déléguées, tout se sait. Tout se sait. Quelquefois, d'ailleurs, beaucoup plus que les conseillers qui viennent d'arriver. Merci, monsieur. Donc, je vais revenir sur un point. Sur votre table, nous vous avons, alors on vous avait dit qu'on vous remettrait, on vous doterait d'une tablette. Alors c'est vrai que le bureau municipal avait déjà eu le matériel qu'il utilise. Et pour tous les conseillers, vous avez devant vous une tablette. Vous avez aussi fait par l'ingénieur informatique une information pour pouvoir prendre en main cette tablette. Vous avez aussi le planning des réunions du deuxième semestre, comme ça vous pourrez programmer vos plannings. Et vous avez aussi, comme je vous l'avais promis, puisque j'avais dit qu'on étendrait la formation à tout le conseil municipal et pas seulement comme la loi nous préconise, j'allais dire, aux gens qui sont au bureau municipal, donc à tout le conseil, et vous avez les dates de convocation à cette formation qui auront lieu le plus rapidement possible, mais après l'été maintenant, c'est-à-dire au mois de septembre. Donc voilà, donc je crois que j'en ai fini avec cette séance qui sera notre dernière séance avant la période estivale. On se retrouvera maintenant au mois de septembre, courant septembre, sans doute mi-septembre ou vers la fin, 17 septembre. Oui, d'ailleurs, c'est sur le planning, excusez-moi. Donc, le 17 septembre, je vous souhaite à tous un très bon été. Retrouvez les vôtres, essayez de vous reposer, profitez du soleil. On va en avoir, donc il n'y a pas de problème. Et puis, je souhaite aussi un très bel été aux gens qui nous regardent parce qu'ils sont nombreux. Et a priori, moi, ils m'ont dit, ils aiment ça. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas de passer, signer les PV, hein, en partant. Vous signez tous pour qu'on ne court pas après vous parce qu'avec la période estivale, ce serait compliqué. Merci, bonsoir.